Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Sortie de secours, le rendez-vous hebdomadaire d'actu culturel sur Orléans et sur Tours, et ça se regarde sur Loirnet TV. Cette émission est sponsorisée par la Caisse d'Épargne. Au sommaire de cette émission, deux rendez-vous à ne pas manquer. Le premier, c'est du jazz dans une ville pendant 3 jours. Ça se passe les 1, 2 et 3 juin. C'est du jazz, c'est à Chinon. Et quand vous mélangez les deux, ça donne Chinon en jazz. C'est le nom du festival. Voilà, t'arrêtes, t'arrêtes. Le deuxième rendez-vous, c'est un festival, c'est de la musique, c'est dans la ville de Sully et un petit peu autour. Ça se passe du 25 mai au 10 juin et c'est bien évidemment le festival de musique de Sully. Ça, c'est fait. Pour l'instant, ça tombe bien. J'aimerais vous parler du gros moment culturel qui va occuper ces prochains jours. Mesdames, messieurs, je vous présente Élise du Conseil Général qui est venue nous parler du Festival de Musique de Sully. Mesdames, messieurs, le Festival de Musique de Sully. Mesdames, messieurs, Élise. Mesdames, messieurs, ça commence maintenant. Ta gueule. Bonjour Élise, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Élise. En fait, l'émission a déjà été préécrite et il se trouve que bon, tu t'appelles Nicole, faut pas trop changer. Je vais t'appeler Nicole, ça te pose pas de problème. Absolument pas. Élise Cousseau, blablabla, administratif au Conseil Général, 29 ans, vent R19 diesel, peu de kilomètres. Nicole, tu es là pour nous parler du Festival de Sully. C'est quoi le Festival de Sully ? C'est un festival qui existe depuis 39 ans et qui propose de la musique essentiellement classique. Ça se passe quand, le Festival de Sully ? C'est très bientôt, ça commence le 25 mai et c'est jusqu'au 10 juin. Nicole, ça se passe où, le Festival de Sully ? Ça se passe dans tout le département, bien entendu à Sully, mais dans 8 autres villes du département. On va voir qui à ce festival, s'il te plaît, Nicole. On va voir plein de gens bien. Des musiciens classiques, des musiciens musique du monde, et puis des musiciens de jazz, et entre autres, Guy Marchand. Nicole, une question essentielle pour nos téléspectateurs. Dans le pot-au-feu, tu es plutôt poitrine ou plutôt jarret ? Un peu des deux, c'est pas mal non plus. Plus globalement, Nicole, dis-moi plus sur le festival de Sully, fais-moi rêver. Donne-moi envie de venir. Le Festival de Sully, cette année en 2012, c'est 14 concerts. Et il va y avoir de la musique romantique, il va y avoir de l'opéra au théâtre avec les Noces de Figaro dans l'intégralité. Et puis de la musique orientale, de la musique russe. Voilà, plein de choses avec, pour les jeunes, un tarif hyper intéressant à 6€. Nicole, tu regardais quoi comme dessin animé quand t'étais petite ? Candy. Ça a encore changé. Elle est énorme. Elle dit que des conneries toute sa vie, c'est invraisemblable. Donc au final, le Festival de Sully, c'est où, c'est quand, dis-moi tout. Au final, c'est du 25 mai au 10 juin, c'est dans tout le département et on vous attend nombreux. Merci Nicole. De rien. Au revoir Nicole. Au revoir. Nicole, avant de partir, fais un petit coucou à ta maman. Elle dit n'importe quoi, elle change à tous les repas. Merci à Élise d'être passée par Sortie de secours, nous expliquer tout ce qui se passera pendant le festival de Sully-sur-Loire. Tout le récap pour ce festival, c'est à voir et c'est ici. Tout ce qu'il faut savoir sur les événements à venir culturellement sur Orléans, c'est là. Pour Tours, c'est ici. Gardez un œil frais sur l'actualité, c'est ici. En ce qui me concerne, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de secours. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous, éclatez-vous et surtout, sortez. Il me reste à vous dire ciao, il me reste à vous dire bye bye, il me reste à vous dire à la semaine prochaine. De rien du tout, j'en ai rien à foutre. Oh, allez, ça rate. Dis-moi une connerie. Allez, c'est parti.